Salut, salut, salut tout le monde, c'est TMOGODET, Mr. Big Gamer, et aujourd'hui on se retrouve pour le 32e épisode d'Assassin's Creed Rogue. 32e épisode, le 12 avril, ça fait... on est le combien? On est le... 20... Alors, attendez. Merci. On est le 23, si je crois bien, genre un truc dans le genre... 22, bah ouais, ça fait 10 jours que je n'y ai pas joué, ça fait 10 jours que je n'y ai pas touché. Et encore 10 jours, juste pour récupérer quelques croix. En plus, j'en ai récupéré 3, mais sinon ça fait bien 2 semaines, même pas, hein, ça fait bah, depuis fin mars qu'on n'a pas tourné d'épisode. Et donc je suis désolé encore une fois, je m'excuse, hein, vous savez les raisons de cette absence de PS3 sur le thème au show que j'ai publié. Donc je suis vraiment désolé encore une fois. Donc c'est parti. Donc j'avais pris toutes les croix de la River Valley. Et donc là, non, il n'y en a plus aucune, je les avais toutes prises. Alors, dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? Ça remonte à très très longtemps. On a dit qu'on allait taper ce fort-là. Ici, là. Donc on va partir de... On va commencer maintenant. On va commencer maintenant parce que j'ai envie de le taper. Hop, et on va partir de Vieille Carrière. Et c'est parti. Je pense qu'on a bien boosté le Morrigan, on a bien boosté notre vie. On a changé notre tactique d'approche, donc je pense qu'on peut l'avoir cette fois le fort. On est chaud, on est puissant, et puis voilà. Ah putain, ça me fait plaisir de revenir sur AC là. Oh là là, ça fait trop longtemps que j'ai pas touché ma PS3. Trop longtemps que je suis sur ordi là, et franchement, ça me fait plaisir de revenir un petit peu sur la PS3 pour rejouer. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir lancer un peu aussi la série Jack 3, que je n'avais pas encore commencé. Et je vais pouvoir lancer tous les jeux sur PS3 qu'on attendait. Et c'est ça qui est cool. Alors c'est parti, on y va. Let's go, vas-y Geist, content de te retrouver. Ouais, moi aussi. Alors c'est parti, on va y aller doucement. Alors j'ai élaboré une petite stratégie. On va y aller doucement. On sait que... attendez. On sait qu'il y a des bateaux qui sont... Où est-ce qu'ils sont? Alors attendez. Déjà on va les taper au mortier. Est-ce qu'on peut? Vas-y, rapproche-toi encore un petit peu. Voilà. Restons discrets. Ces os sont bien gardés. Ouais. Je vois ça, Geist. Alors attendez, je vise bien. Vas-y, approche. Voilà, bam. Ok. Là, on tourne. On arrive, donc on se casse. Ok. Donc on va rester à cette distance. Ah voilà, regardez. Voilà. Déjà, il y en a un qui arrive. Ils ont déjà sorti leur artillerie. Voilà. Donc on va se battre d'abord avec les bateaux. Et ensuite, face au fort. Ce sera peut-être mieux. Comme ça. On lui brûle le cul. On se répare. Voilà. Alors déjà... Il y en a un. Tout. Il y en a un là, donc on va aller le prendre. Oh. Et va là-bas. Alors voilà, déjà ça fait un bateau en moins. Je me prends des mortiers, mais je m'en fous. Je vais récupérer mon bateau avec lui là. Et ouais, les gars, c'est une tactique comme une autre, hein. Faut pas croire. Hein. Là, voilà, il va se caler. Là, normalement, si j'ai bien travaillé ma stratégie, on est immunisé face aux mortiers. Voilà, on est immunisé. Donc maintenant qu'on a un peu la voie libre, on va taper l'autre bateau. Où est-ce qu'il est? Il est là. Boom, bitch. Oh, tourne. Allez. Ok. Voilà. Déjà, oh là là. Ils vont se calmer, eux. Alors, là, on va aller récupérer le navire qui est là. Voilà, comme ça on va réparer le Morrigan aussi. Et on aura la voie libre pour taper le fort. Oui, c'est bien, voilà, mais là on est immunisé, voilà. Tac, et maintenant il n'y aura plus personne pour nous faire chier. Voilà, ma stratégie marche à merveille pour l'instant.
Allez, tape le truc. Non, voilà, merci. Et non, il y a encore un baril de poudre là. Voilà, ça fait déjà 5 sur 10. 6 sur 10. Sniper au canon, les gars. Sniper au canon. Bam, 7 sur 10. Toi, je t'ai. 8 sur 10. Boum. Ah merde, c'est bon. Non, je n'en ai plus. Si, j'en ai. 9 sur 10. 10 sur 10, voilà. Sniper au canon, les gars. Eh, franchement. Trop de puissance en moi ou quoi, là? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Trop de puissance en moi. Ah oui, ce que j'ai fait aussi dans le farm, après avoir récupéré les croix de James Gunn là, dans la River Valley, j'ai cherché aussi quelques cartes au trésor, là, vous savez, les cartes qu'on a et qu'il faut chercher. J'en ai trouvé deux, je crois, un truc dans le genre. Bon, j'ai pas été plus loin, j'ai fait, voilà, basta. Et maintenant, bah, c'est parti, parfait. Parce que maintenant, regardez, il y a plus... Oh, d'où il apparaît comme ça, lui? Alors, attendez, on va taper du fort, là, parce que, ouais, il commence à me faire chier. Boum, dégagé. Voilà, toi, déjà, tu me serviras de... Tu me serviras de truc si j'ai du... Si j'ai de la vie en moi. Alors, on va s'attaquer au fort. Non, je ne veux pas attaquer, dégage. Alors. Hop. Voilà, donc déjà, un en moins. Alors, où est-ce qu'il est, mon curseur? Alors, bam, je tire dessus. Hop. Une toile en moins, c'est toujours ça de prix. Alors on va se casser vite parce que là on perd de la vie. On perd de la vie. Là. Alors qui c'est qui le mitraille là? C'est lui là. Feu. Voilà. Voilà. On a déjà détruit un petit peu. Et toi, t'es fini. Voilà. Donc moins un. Zéro charge. Et je l'ai raté. Super. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ouais. Et lui, on l'a tapé. Non, toujours pas. Non. Voilà. Il en reste une. Ça fait 4 sur 5. Mais on se connaît. Ouais. Alors le bateau, il est plus là. Pas grave. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Sans l'aide de personne. Regardez ça. Boum, feu, c'est fini. On a gagné. Yes, et voilà, on l'a. On l'a notre fort, les gars. Bam, il se passe quoi, là? Trop de stratégie en moi, les amis. Voilà, c'est pour ça, genre. Voilà, je suis trop stratège. Ma stratégie a marché parfaitement. A parfaitement marché, c'est la même. Et on y va, c'est parti, on va le prendre. Et sachant qu'en plus, le Morrigan n'est pas encore amélioré au max niveau vie. Hein. Il reste encore un trait à avoir, enfin, il reste encore un truc à améliorer. Alors, c'est parti. On va le prendre, tranquillement. Et puis voilà, on aura presque fini à l'heure valet. Dès qu'on a fini ça, on est bon. Parce qu'après, on a juste allé prendre les villes. Et les villes, il n'y a aucune résistance. Alors, Fort Blanc, niveau 57. Il était pas mal, hein, quand même. Niveau 57, il valait son niveau, quand même. Alors, on va le prendre, et puis on prendra tout ce qui est après. Oh, on va se calmer. Regardez. Move, bitch. Get out the way. Y'a quoi, y'a? Y'a quoi? Oh! Boom, bitch! Boom, bitch! Y'a quoi là? Y'a quoi?
bouclier. Allez, tous tes amis, toi. Toi. Hop là. Y'a quoi? Je suis un peu en mode Dark Vador là, qui arrive en mode je vais tuer tous les padawans. En mode vas-y et tout, moi j'attaque tout le monde sans pression. Alors qu'est-ce qu'il faut détruire? Il faut détruire donc, 2 balles de poudre. Éviter, éliminer les commandants du fort, d'accord. Donc, on va y aller. Ah, notre niveau a été reinitialisé. Ouais, ils portent plus leurs couilles. Regardez, ils fuient tous. Ils sont tous en train de fuir là. Toi, j'étais. Alors. Venez, venez, venez. Hop là, voilà. Un moins. Alors voilà. Un commandant là-bas. On va y aller. En mode, on va aller tuer Obi-Wan Kenobi. Même si on sait tous qu'il ne meurt pas à la fin. Hutsley, allez. Où est-ce qu'il est, commandant? Ah, en fait, non, j'avais pas de... Je vais tous vous écraser, les amis. Ne cherchez même pas. Je suis Dark Vador, avec ma tenue d'assassin sombre, vous pouvez rien du tout. Alors là, qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi, ça? Hop, voilà. T'as quoi maintenant? Qu'est-ce que tu me parles? Je suis pas comme ça. Ta gueule. Moins un. Ok, donc déjà les deux. Toi, ta gueule aussi. Alors, les balles de poudre. Oh, bitch. Ta gueule. Allez. Ta gueule aussi. Oh là là, je suis un massacre, les amis. Je suis un massacre. Je suis un massacre. Boum. Oh, calme-toi. Allez. Oh, bitch. Allez, hop. Ils comprennent rien. Vraiment, ils sont démunis face à moi. Ils peuvent rien en même temps face au côté obscur de la force, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est... Voilà. J'ai envie de dire. Face au côté obscur, tu es trop faible. Tu ne maîtrises pas la force. Voilà. Hein? Puisqu'il y a le... Oui, d'ailleurs, vous avez vu le nouveau le trailer de Star Wars, le 7. Il a l'air franchement super sympa. Et moi, il a le 7 a l'air sympa, franchement. Oh, bouclier main. Voilà, parfait. Alors, on va se foutre là. Stock de poudre. Premier stock. Et on se casse. Oh, moins un. Allez, c'est parti. Donc l'autre est à 70 mètres, je sais pas où ils l'ont planqué leur stock de poudre là, mais allez, on repart en arrière. Désolé, j'avais pas vu qui était à côté en fait de la position où on était tout à l'heure. Alors, il est là-bas. Il faut monter, j'imagine, sur le... Allez. Allez, non, tu veux pas, d'accord. C'est pas grave, hein, voilà. Je fais le tour, hein, c'est pas grave. Alors, il est là. Il est là, voilà. Mais non. Détruire, voilà. Et on l'a, les gens. On a notre fort, ça y est. On l'a. C'est parti. Allez, pète. 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 Mais il a pas pété. Mais il est sérieux. Il est sérieux, quoi, s'il te plaît, genre. Putain, il m'aurait fait faire deux fois la même chose. Boum! C'est bon, on a notre fort, les gars. Allez, hop. Mais c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, les amis. Voilà, tant de stratégies. Tant de stratégies. Et voilà, on découvre tout. Parfait. Zone économique gagnée. Et bien maintenant on va aller là. On va aller à la vieille carrière. Bam. Un déplacement. Ok, d'accord. Parce que j'ai pas assez. Voilà. Revenu augmenté à 20 800. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors on y va, c'est parti. Vieille carrière. Hop, on y va. Ah là là.
Ça crève hein, quand même la prise d'amphore, hein. Ça demande beaucoup de réflexion et de tactique. Alors c'est parti, donc la rénovation elle est là. On a largement assez, je crois bien. Hein. Je crois pas me tromper en disant ça. Ouais, c'était là où, où le gars il avait dit où il y avait un ordinateur genre trop thug, il avait dit ouais j'ai tout essayé mais j'y arrive pas, et l'autre il a dit alors ferme ta gueule et tout bam. J'étais trop mort, voilà. Ouais c'était là je crois. C'était dans cette ville. Lapin ! Non, ça, il a pas pris. Dommage, on peut pas tuer les petits lapins. Dommage. Oh, c'est quoi ce bâtiment ? Nous sommes prêts à mettre du cœur à l'ouvrage, mon bon monsieur. Parfait. Vas-y. Mais oui, on a largement de quoi. Alors, rénovation. Ah, c'est quoi ça ? D'accord. Ok. Ok. J'ai pas très bien compris ce que c'était, mais bon, à part ça. Alors, 21 515. C'est parfait. Alors, pendant qu'on y est, on va aller ici, rivière ou rivière, puisque là, lui, on l'a fait. Pendant qu'on y est, hein. On va pas se plaindre. Comme ça, on a juste une rénovation encore à faire. Et puis, après, on continue l'exploration. On continue l'exploration. Alors, où est-ce qu'elle est ? Ah, bah, elle est juste en face, parfait. Elle est. Bah, là, ok, parfait. Super. Ah, c'est la petite cabane là. Mais elle a pas besoin d'être rénovée, elle est très belle comme ça, mon gars. Vas-y. Hop. Et voilà, rivière rivière, pareil. Alors, bah, elle était très bien comme ça, t'as rien changé, fais pas genre. Hein. Oh. Oh là là. 22 360, oui, Vincent. Tu ne sais plus compter. Alors, j'allais prendre l'argent dans ma banque. Comme ça. Hop, ça sera déjà fait. Où est-ce qu'elle est maintenant qu'elle est là ? Non mais elle le viole pas, Jay, ça se fait pas. Tu ne violes pas l'équipage de ton bateau, Jay, ça ne se fait pas. Alors, c'est parti. Hop, voilà, 216 000. Parfait, ça me fait du fric en plus. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Bah, comme je disais, bah, voilà, je dis tout le temps c'est parti, encore une fois. Voilà. Alors, on va aller à Cœur de l'Hiver. Cœur de l'Hiver, c'est une colonie. Donc, je pense que ça va mettre beaucoup de temps, mais au pire, je ferai ça en plusieurs parties. Hein, et puis, voilà, je ferai une session de une heure, comme d'hab. Et puis, je couperai en deux. Et puis, vous aurez, voilà, comme ça. Moi, ça ne me coupera pas dans le truc. Et je vous couperai bien comme il faut. Pas dans de l'action, genre à des moments où je marche, comme ça, bam. On fera ça au calme. Allez, temps de chargement. Je sais que j'ai jamais été à Cœur de l'Hiver, mais voilà. Alors. Détruire les réserves des poisons des Français. Okay. Donc déjà, on va faire les objectifs, on va prendre la colonie, et puis après, on verra ce qu'on a à faire. Alors, bien sûr, je dois pas me faire repérer, c'est vrai. Non, t'as rien du tout à me poser, parce que moi, je veux pas de toi. Ah, là, ok, d'accord, il la joue comme ça. Allez. Allez, dépêche. Mais, oh, putain, c'est pas possible. Tu sais, quand je te dis prends quelqu'un en bouclier, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant, tu vois. Est-ce que je t'ai dit ça? Est-ce que je t'ai dit ça? Allez, bouclier main. Putain, mais t'es sérieux là? Tu mets. Putain, il a mis 3 secondes le gars pour. Ok, bon, moi je l'ai tué. Hop. Voilà. Merci. Wouah! Il y en a trop qui arrivent là. Ah, il y en a, il m'a niqué en fait, hein, il y en a. Allez. Ben voilà. Il y en a, il m'a fait trop mal en fait avec sa dague. Hein. Genre, c'est sévère. Hein. Bon, j'ai fait un massacre. J'ai fait un massacre et je vais pas finir mon massacre parce que. Voilà. Ah, ben au moins j'ai réussi un objectif au moins. Genre, j'ai tué le capitaine français. Alors, le bourreau, où est-ce qu'il est ? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Le mec il dit ouais c'est pas moi qui vais régler ce merdier mais genre en mode mais genre je m'en fous totalement. Vous allez mourir vous si vous bougez pas. Si vous bougez pas vous allez mourir les gars. Voilà. Voilà. Hein.
Ed, bah, c'était simple en fait. C'était pas si difficile que ça. C'était pas si dur que ça. On l'a fait rapidement, bah, en fait, c'est parce qu'on a tué, on a tué tout le monde d'un coup, en fait. Genre, on s'est attiré des ennuis. Et... Du coup, tout le monde est venu à nous et on l'a bien niqué. Bam, putain, mais parfait. Colonie capturée. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Arrête. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu peux... T'es en français, toi? Mais non, mais pas... Merci. Mais pourquoi tu me... Pourquoi tu me prends... Oh là là là. Et il perd de la boule, hein. Il perd de la boule. Il perd de la boule, les Anglais. Hop, bouclier main. Voilà. Comme ça, je tue le capitaine plus facilement. Oh là là, j'aurais faim de ces carnages, les gens. J'aurais faim de ces carnages, ils ont rien compris à leur vie. Dépêche, non, c'est trop tard. Ouah! Fou! Allez, casse-toi vite, dans ton viseur. Voilà. Bon. Attends qu'on a réglé un peu le problème de la vigie, là. Ta gueule, voilà, merci. Au revoir, bonsoir. Alors, on peut enfin commencer à prendre les différents trucs. Alors, la taverne, on va la faire tout de suite. On va passer en mode. Je passe en mode Rambo. La quéquette, ouais. C'est parti, on écoute un peu la musique. T'as dit quoi, toi? Ouais, regarde-moi dans les yeux quand tu me parles, tapette. Vas-y. Je vais te mettre ta misère tout à l'heure, t'inquiète, tu vas moins parler. Eh, t'as fait quoi là? Eh, t'as renversé ta boisson sur ma gueule? Eh, vas-y. Allez hop, regarde, bam. Boum, boum, allez. C'est back. C'est bam, allez, contre. Oh, bad breaker. Boum, boum, enchaînement. Oh, démantement de la mâchoire. Ah, ah. Boum, brisage de nuque. Oh. Oh là là là. Trop de style en moi. Trop de style en moi, les gars. Voilà. Voilà, dansez. Danse, fagotte, danse. Ok, donc la taverne est libérée. Ok. Bah, c'est bien. C'est très bien. Tant mieux pour nous. Terminé pour moi, je dirais. Alors, taverne libérée. Libérée, délivrée. Ma maman m'attend chez moi, tout bien rangé. Libérée, délivrée. Je dis que de la merde. Je dis que de la merde, les amis. C'est parce que je suis content de vous retrouver dans un autre épisode d'Assassin's Creed. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas joué. Donc voilà, je suis content. Je suis... Oui. Allez, prospérité. Donc, 1/6. Ok, c'est parfait. Alors, on va aller récupérer le champ. Ah oui, il faut aller faire le point d'observation aussi. Point de synchro, oui. Bah oui, c'est ce qu'on fait d'habitude tout le temps. Et là, on l'a pas fait, bizarrement. Pas grave. Allez. Allez, voilà, merci. T'as compris ce que je voulais. Allez, voilà. Non, ça par contre, t'as... Ah si, c'est bon. Allez. J'ai eu peur. J'ai cru que t'avais pas compris ce que je voulais. Allez, dépêche. Allez, dépêche. Allez. Ouais, perfect. Alors, on va aller prendre le point d'observation, le point de synchro. Comme ça, on aura plein. On pourra voir déjà tout ça. Alors, il est où? Il est là-bas. 200 mètres. Oh là là. Oh là là. Alors, c'est One More Day. Je la connais pas, celle-là. C'est une nouvelle. Apparemment. Hop. Hop. Non. Sors de l'eau. Voilà, tu te mets là et tu marches sur les pics. Voilà, c'est le principe. Voilà, là il y a un coffre. Wow, c'est quoi ce dénivelé à 1 mètre du fond là? Alors, en mode, alors là il y a un coffre, on va le prendre. Voilà, toujours plus d'argent, l'argent des abonnés.
Et on va aller prendre le point de synchro ici. 2 sur 5. Waouh, regarde l'épaisseur de neige qu'il y a, quoi. Oh! Aïe! Oh, il y a un duel. Alors, je m'infiltre. Personne qui aime voir. Bam, à la main, moi. Je fais tout ça à la main. Je fais à la main, moi, les gars. Je fais à la main. Je n'échapperai pas à mon sort. Allez. À la main. Je fais tout ça à la main, moi. Boum. Boum, boum. Allez, hop, y'a quoi? Y'a quoi? Alors, déjà. Stack, on va déchirer le drapeau. Et je vais même me faire le capitaine à la main. Capitaine à la main, les gens. Regardez. Ah non, il m'a mis les épées. Ok, bon, pas grave. Non, mais lui, je vais le faire à l'arme, ça va aller plus vite, je pense. Bon, on va y aller, parce que sinon, on verra. Il n'y arrivera jamais. Quoi, ta gueule? Tu me laisses tranquille, avec ton patron, là. Boum! Allez, dépêche, dépêche! C'est bon, j'ai peur, je me suis dit, putain. Il va me dire que y a pas eu de. J'ai pas eu assez d'alliés. Merci, capitaine! Mais de rien, chérie. C'est tout bon naturel. Et ça veut rien dire, ce que j'ai dit, encore une fois. C'est pas grave. Pourquoi tant de discrimination? Alors. Bah écoutez, vous savez quoi? Regardez, on va faire ça. Il y a déjà. Ouais, déjà 28 minutes. Et ben, on va faire le point de synchro. On va récupérer encore quelques petits objets. Hein, et puis, on va s'arrêter là. Et on reprendra l'exploration dans le prochain épisode, voilà. Même si ça, je sais que ça n'a pas été... Enfin si, ça a été passionnant quand même, attendez, il y a eu le fort, hein. Oh, faut pas déconner non plus, alors... Il y a eu la prise du fort, où je m'étais fait niquer à chaque fois, donc... hein, avec une stratégie signée Temogon, donc vous calmez. Hop, alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer de proche? Ah ben voilà, la lettre de guerre, voilà. Lettre de guerre, on va aller récupérer... Il se fait deux français, hein, j'y crois pas. Il se fait deux français, c'est incroyable. Alors, la lettre de guerre. Ou alors, non, oh, regardez le bâtard, il était en respect, en mode, tu fais un geste, je t'éclate ta gueule. Regarde, en mode... ah non, ils sont en train de juste attirer, d'accord, ok, bon, écoute, c'est ta vie. Y'a personne, vous avez rien vu? Vous avez rien vu? Moi, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, voilà. C'est comme ça, c'est le côté obscur de Dark Vador qui réagit, c'est tout. Alors, lettre de guerre sur le gars, là. Interagir. C'est quoi comme lettre? Hop. Et puis on va aller aussi, allez, juste avant de vous quitter, faire la peinture rupestre. Voilà. Alors c'est le vaillant, d'accord. Ok, bon bah c'est parti. Bon bah écoutez les gens, en attendant bah, que j'arrive là-bas, bah, je vais vous faire mon outro, hein, ma conclusion de cet épisode. Bah écoutez, bah, merci d'avoir suivi, c'était un plaisir de revenir sur ces rogues. Parce que j'ai pas terminé, on est loin d'avoir terminé cette série. Et bah écoutez, bah partagez la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas l'événement de nos 1 an. Et puis bah on se retrouve dans le prochain épisode, voilà. Attention, c'est quoi? Alors tortue, là je suis sûr c'est tortue qu'elle s'appelle. Et si c'est pas tortue, franchement il se fout de ma gueule. Allez, vas-y dis-moi. La grande tortue, ouais. Franchement, ouais, pour grande, c'est bon, vous n'allez pas me faire chier, c'était tortue, voilà. Voilà, merci d'avoir suivi tout le monde, c'était Temogon, et puis on se retrouve dans le prochain épisode, voilà, salut tout le monde, ciao.